Najivunia raisi wetu, najitapia raisi wetu. Utawala wake, waleta furaha. Watoto wamesoma bure, wazazi wamepata furaha. Kwa malipo ya masomo, kwa bure. Uishi milele, utawale milele. Tukupenda. Mwana ya Kongo na sepeli komo na president ngai Tshisekedi yo na vile na biso ya mboka oyo ya Kongo Bukavu to sepeli mingi komo na ye yango yo ngai na kometale maboko maboko yango yo ngai na koyembela ye yango yo tika na ebisa ye na motema na ngai yo umela president ngai Umela papa Tshisekedi Umela, 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 umela papa nangayo oh, oh, oh. Mon président Chilombo Mbote Mbote, Balangi ya TV du peuple RD Congo Télévision à solo solo Télévision ya ma recherche ya makasi Télévision Oyo Izana ba réalisateur ya makasi Télévision Oyo Izana ba journaliste ya makasi Télévision Oyo Izana Oyo ba bengaka visionnaire Yamakasi Symphorien Kala la Barandaï. En tout cas, merci beaucoup Big Boss. Mesdames et messieurs, Ngai Yeza Wabino Amour Bilolo, je vous dis encore une fois merci, merci beaucoup de votre belle attention, mesdames et messieurs. Vous qui nous suivez depuis Kinshasa, depuis Bakongo, depuis Bukavu, depuis Katanga, Kananga, Mbujima, Équateur, partout dans ces pays, mesdames et messieurs, nous vous disons merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, je venais vous dire tantôt que le gouvernement Samalou Kondé, peut-être ce vendredi, et Gobi Manango. Alors, tout c'est d'abord la réunion où il y a Salaki, Bakabound et autres. Toibité, Nini, Basolaki, mais au Toib, exactement. Ils ont abordé les problèmes du gouvernement. Et selon les sources concordantes, peut-être que je vous ai dit dans l'émission précédente qu'il y a des sources concordantes, des sources sûres, proches du président A.I. Jamar Kaboun de l'IDPS. Mais enfin, c'est que non, cette réunion a été convoquée uniquement pour débattre sur quelques questions par rapport à la décision à chef de l'État. Voilà, je pense que déjà, je vous ai expliqué dans l'émission précédente. Les Kambosa, ah, mesdames et messieurs, ils ont une rencontre, il y a Ouattara, Tshisekedi et Kagame, la France, à Paris. Ils sont invités à sommet Mokoboye sur les économies africaines. Là, c'est à Paris parce que Emmanuel Macron, Moutabing ici, tout Moutabing ici, Bango. Alors là, le président d'Afrique, président Macron, a bien ici. On figure aussi le président Tshisekedi Chilombo de la République démocratique du Congo, notamment Paul Kagame, mais aussi Ouattara. De la Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, je vais vous lire cet article qui est le 18 mai. Emmanuel Macron organise à Paris un sommet sur le financement des économies africaines mises à mal par la crise sanitaire. Quelles dirigeantes y assisteront et quelles seront les questions abordées? Ça, c'est les questions que nous sommes en train de nous poser. Nini Bah, quoi aborder comme question, bien qu'il aura parlé d'une manière générale sur le financement ou encore sur les économies africaines, mais tu éviter quels seront les participants. D'abord, il va passer sur Gouiza, tu sais que dans Rosala, Karame Gouzala, na Ouata. Donc, ce sommet du chef de l'État portant sur le financement des économies africaines sera organisé à Paris, objectif affiché de l'Élysée. Dit que donner un gros ballon d'oxygène aux pays du continent pour surmonter la crise économique provoquée par la pandémie du Covid-19. Donc parmi les pistes à explorer, l'allègement, voire comme l'avait souhaité Emmanuel Macron en avril 2020, dans l'alignation de la dette ou un soutien exceptionnel du FMI par le biais des droits de tirage spéciaux. Donc, il devrait aussi être largement question, mesdames et messieurs, du financement du secteur privé africain. Il continue à dire tout ceci, que parmi les présidents invités à Paris, mesdames et messieurs, maintenant je vais vous lire les notes de ces présidents, il y a l'Ivoirien Alassane Ouattara, il y a les Sénégalais Macky Sall, il y a les Congolais Félix Tshisekedi Tshilombo, il y a mesdames et messieurs les Nigérians Muhammadu Buhari, il y a aussi les Rwandais Paul Kagame, il y a les Sud-Africains Cyril Ramaphosa, il y a l'Angolais João Lourenço, il y a les Kenyans
Uhuru Kenyatta, il y a les Guinéens Alpha Condé ou encore les Congolais d'en face Denis Sassou Nguesso. Mesdames et messieurs, ils ajoutent en disant tout simplement que la plupart d'entre eux avaient signé une tribune appelant à soutenir l'Afrique face à la pandémie. Donc ce texte avait été publié le 15 avril 2020 par Jeune Afrique et les Financial Times. Voilà, mesdames et messieurs, c'est-à-dire que réunion ana et zapon a kouluka comment pour soutenir ma pays est faible économiquement parlant par rapport il y a fléau au yébit monde entier COVID-19. Tu imité parce que France aussi a bête métro na fléau au yo, mais na imité est-ce que réunion est très importante, c'est tout bénéfique pour l'Afrique. Parce que d'abord, il faut d'abord trouver un compromis, d'abord qu'eux-mêmes trouvent des solutions adéquates pour qu'ils d'abord résoudre le problème de Bangomoko. Naïmité, bon, on est en Afrique, je ne sais pas, c'est par rapport à leurs ressources naturelles. C'est pourquoi Bangomoko, je ne sais pas. Voilà, seront également présents Moussa Faki Hamad, le président de la commission de l'UIA, et Akimouimi Adesina, celui de la Banque africaine des développements. Outre Emmanuel Macron, prendront part à ces sommets plusieurs dirigeants européens, ainsi que des représentants des pays du G7, du G20 et d'institutions internationales. Donc il y a FMI, il y a la Banque mondiale, il y a OCDE, il y a aussi BERD et consorts. Mesdames et messieurs, là je continue à dire tout le monde qu'il y a des modalités de ces sommets dépendront de l'évolution de la situation sanitaire en France. C'est-à-dire que d'abord en France, il y a ce qu'on appelle la pandémie et bête, c'est la France. Bon, de éviter, ma mesure n'est pas qu'on soit pour que contact exalaté ou encore contamination exalaté. Parce que ceux qui sont présents, et que quelques-uns, comme ils contaminent la COVID-19, moi je dis que pendant la partie, vous allez bien être, mesdames et messieurs, d'où il faut, base à ma mesure préventive pour que personne ne soit contaminé. Voilà, les organisateurs espèrent que les échanges sous la forme d'un déjeuner, puis d'une conférence auront lieu, mesdames et messieurs aussi, en présentiel au Grand Palais éphémère sur le champ de Mars. Donc un bâtiment provisoire encore jamais utilisé. Espérons que non, qu'on a couronné vous allez dire. Bon, pour préparer cette rencontre, les autorités françaises travaillent étroitement avec les 4 envoyés spéciaux de l'UIA chargés de mobiliser les fonds contre la COVID-19. Il y a Tidiane Thiam, il y a Donald Kaberuka, il y a Ngozi Okonjo, il y a aussi Trevor Manuel. Là, c'est une information publiée par Jeune Afrique. C'est-à-dire que ce sommet qui se base sur le financement des économies africaines pour, par rapport à COVID-19 qui a frappé Mokile Mobimba. Espérons qu'il y aura des solutions draconiennes. Il y a des mesures drastiques au Baroudi Gouzopoulgué. Bah, mais qu'on permettre bah, état Moussousou Oyo et perdre valeur et économie la Bangoto, économie et chuter Makassi pour que Baloka Komako rehausse économie, mesdames et messieurs. Donc, d'où nous sommes en train d'attendre d'abord parce que chef de l'état Yemoko, tu sais que dit à Kozalawana, Petukoyeba, ce qui va se passer. Mesdames et messieurs, une autre information est que le bateau est en train, mesdames et messieurs, de trop bouger. Ça risque de connaître ce qu'on appelle le naufrage, mesdames et messieurs. Les bateaux, il y a province de Tanganyika, qu'on a un dirigeant, Nabango, Zoé Kabila, qu'on a menacé, la pétition. Pour éviter des chances, parce que dernièrement, je vous ai dit bien que non, il y a des députés là qui ont signé la pétition contre le gouverneur Zoé Kabila, mais aussi le président de cette assemblée provinciale. Parce que le gouverneur Zoé Kabila, il est l'unique gouverneur qui a refusé d'adhérer à l'Union sacrée. Pour des raisons personnelles, mais pour travailler un chef de l'État dans sa vision, il faut aux Alana, Union sacrée. Mais ce gouvernement, mesdames et messieurs, avait refusé catégoriquement pour la Kokota Namakambango. Voilà maintenant Tanganyika, Balobi Tshisekedi appelé à s'impliquer pour la stabilité des institutions provinciales. Là, ce sont les jeunes. Balobi, mais le gouvernement Kabila, le gouverneur Zoé Kabila est menacé de destitution. Alors, le président de l'Assemblée nationale, le professeur plutôt du Tanganyika, et lui aussi, sous les coups d'une pétition, face à cette instabilité politique qui s'écoule là,
province du Tanganyika. La jeunesse de cette province, mesdames et messieurs, sollicite l'implication du chef de l'État. Donc, dans une déclaration à la presse dont une copie est parvenue à Politico CD ce mercredi 7 avril 2021, les jeunes ont appelé le chef de l'État à s'investir pour la stabilité de cette province. Sur ce, mesdames et messieurs, dans leur plaidoirie, ce jeune de Tanganyika recommande au chef de l'État, notamment, je vais vous les lire, mesdames et messieurs, de s'impliquer pour promouvoir la stabilité de ces institutions légalement établies en province. Il y a aussi le but de promouvoir aussi la paix, la cohésion nationale, ainsi qu'encourager les Congolais et les affaires de la RDC un lieu de dialogue. Et aussi, en tant qu'autorité suprême, garantir le bon fonctionnement des institutions provinciales et la stabilité de celles-ci en province pour leur permettre de se développer. Donc, ces jeunes du Tanganyika, mesdames et messieurs, ont en effet déclaré leur soutien et réitéré leur confiance au gouverneur Joseph Kabila. Ça va m'étonner si ces jeunes réitèrent leur confiance à Joseph Kabila alors que moi je ne vois rien du tout. On ne voit rien du tout. Par contre, il est en train de chercher comment qu'on détruit la province Wana, comment qu'on ça va maïma et ainsi de suite. Ils ont mes informations au Toyoki. Je ne confirme pas mes Toyoki. En complicité avec quelques autorités. Comment qu'on déstabilise la province de Tanganyika. Bakout ça va maïma et ainsi de suite. Mesdames et messieurs, que la bongo, tout que la bongo, et que la malamouté parce que chef de l'État, ça pour ça oyo, bah que son ma case, ça pour ça oyo, bah que travailler comme il se doit. T'as la gagne na est tout le monde na benikuna des tirs en rafale, mesdames et messieurs, sur donc toute la nuit, à kuna na beni. Bah tire à Kosaranati, bah crépitement de balle à Kosaranati. On va faire des trucs pareils, mesdames et messieurs, aucun investisseur ne vient en Bogana Bissot. Aucun investisseur rien en bourse, mesdames et messieurs. Mais s'il y a des gens qui ne veulent pas travailler, selon la vie du chef de l'État, dommage. Dommage. Le chef de l'État a à Zolongwa le 18 mai, il faut qu'il n'ait pas Paris, n'a sommet pour nous. Mais si son entourage n'est pas sérieux, croyez-vous le chef de l'État a une réponse à madame? Je ne pense pas. D'où nous devons travailler, nous devons servir l'autre pays afin qu'il y ait des libosos. C'est très 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 important, mesdames et messieurs. D'où Bissot, tout à l'heure, toujours pour l'emprunter dans l'information sur Bissot de l'ingénierie, que non, les gars, vous savez, quelqu'un qui ainsi de suite, tout le qui a un autre reste, Bissot, ça, ma recherche, pour dire Sarabino, ma information, Nengue et Zali. Autre fois, je vais dire que le gouvernement Jacques Kaboul, quand la terre va destituer. Tout le qui est. Et vous verrez qu'il sera destitué dans quelques minutes. Et dans quelques jours plutôt. Vous voyez pourquoi? Parce que ce sont des gens qui flattent le chef de l'État. Ils travaillent, soit des gens qui sont en train d'aider le chef de l'État, ou bien d'accomplir la vision du chef de l'État. Mais malheureusement, c'est faux et archi faux, mesdames et messieurs. Si vous suivez très bien les bonnes analogues, vous allez comprendre que non, ce gouverneur n'aide pas le peuple congolais. Il ne travaille que pour leur ventre. Et il mange jusqu'à s'en faire paître la sous-ventrière. Non, ce n'est pas normal. Vous n'êtes pas congolais plus que nous. Vous n'êtes pas congolais plus que c'est de Beni. C'est de l'Itouri, non. Travaillez pour la construction du peuple congolais. Peuple Ouafuta Kibino. Pas encourager les mâles, non. Quand vous voulez travailler pour le peuple congolais, vous devez travailler pour le peuple congolais. Ce n'est pas le cas, ici, je ne critique personne. Ici, je dénonce le mal. Le bien, j'encourage. C'est comme ça. C'est comme ça, mesdames et messieurs. Si vous voulez que notre pays puisse aller de l'avant, nous devons dénoncer le mal et encourager le bien. Là, vous devenez congolais parfait et normal. Je vous ai parlé de la congolité, hein. Non, le bien yangote. Ma tractation était Peter Chani, Noël Chani, ma Piero Louara et les autres. Je pense que lobby te combattre à ma solo en go avec un invité de poids. Invité moi à l'icolo, je pense qu'il y a pas le Camouana. Je pense que Bokoyeba
Pourquoi est-ce que Peter Tchani, Pierrot Douara, Basili qui par rapport à la suggestion, il y a Noël Tchani pour l'Italie, candidature à la présidence, battant la critère de la congolité, donc que vous soyez de mère congolaise et de père congolais. Donc vous avez dit une mère congolaise et puis na papa a la congolais. Moi je dirais c'est très bien, c'est une idée bien parfaite. Mais nous allons en parler demain, mesdames et messieurs, avec notre invité. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci beaucoup à Symphorien Balandaï Kalala. Merci beaucoup à Joseph Ntumba Balandaï. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, à vous tous ceux qui nous avez suivis. Merci beaucoup à Shadrach Ondibou. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, à celui qui s'appelle André Tupamandibou, un partenaire infatigable. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. On se retrouve très prochainement avec une autre actualité. Merci.